La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Congo Live, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation de cette émission, comme vous le savez, l'actualité politique fait ancre dans ce pays qu'on ne peut pas rater cette émission. Vous l'avez demandé à plusieurs reprises qu'il a parlé de l'actualité politique, qu'il puisse revenir le plus vite possible pour parler de cette actualité politique. Comme vous le savez tous, le phare des sciences vient de lancer des attaques pour la récupération totale de Bounagana. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose ou bien il y aura des disputes ou bien des problèmes sur le plan de diplomatie en République démocratique du Congo? Nous allons parler aussi de cette tournée politique de MRJCO. MRJCO lance leur pré-campagne, c'est une manière de redynamiser son parti politique à l'intérêt du pays, ou bien les alliés manières pour ça la campagne déjà avant 2023. Mais aussi, nous allons parler de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Que dire de la République démocratique du Congo? Que dire de Kinshasa? Est-ce que Kinshasa est géré? Sur ce plateau, nous avons le secrétaire général de MRJCO, Patrick Kouchou, Obosenga qui m'a rébellé après l'émission à Yael, mais ça qui n'a qu'on m'enlève. Il y a un bel ébino le sous pour nous couper ta masse l'actualité politique de la République démocratique du Congo, Obosenga Ndeko, Patrick Kouchou, secrétaire général du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Boimala. Merci beaucoup, camarade Jonathan. Dans ce pays, le sous Koukou Tananayo, il est qui, je crois, 5 à 6 jours. Tout ça là qui n'a yo, tout bêta qui m'a solo et tali bongo mbo cannabiso. Alors, na demande ya ba internaute, na demande ya peuple congolais, ba senga qui est na zonga li sou sou poto meka ko analyser situation yo zo le kanambo cannabiso. Et j'ai répondu favorablement à cette invitation malgré les multiples obligations. Vous avez répondu favorablement à cette invitation et surtout, vous avez mis par rapport à l'analyse politique de Bino Bossala qui récemment et que Baye Balobi qui est non, tout le monde est dans ce mot, il y a une actualité politique et surtout, il y a beaucoup plus sur l'idéologie. Il y a Mouzé, il ne pas comprendre pourquoi vous avez beaucoup plus parlé de Mouzé que de Tshisekedi que vous soutenez aujourd'hui votre parti politique. Biso tozolanda makanisi ya Laurent Désiré Kabila pambate azali oyo tobengaki acteur ya changement ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ba résultat positif oyo tozomona lelo oyo ezali makanisi oyo muzalaki nango ce qui le lot phare de sa telemi azobunda pona ko défendre l'intégrité territoriale. Les alliés, ils ont été mis en place, l'auto-prise en charge. Alors, je suis venu à l'école, Félix, tu sais qui est du Tulombo. Relation aux alliés, ils ont justement mariage et au Sangani pour sangi sa force pour être même bon gouana dans le cadre du Congo. Bango bazan a mécanisé na bango, où ils allient malam pour un changement au Congo. Biso peut tous en amakanis ya malam ou pour un changement ya mboka na biso. Alors essayons qui na biso to soutenir yé tout chi aye ma boko pour être makanis malam mazan ango et continuer pour que Congo ait soit développement. Tous au lité biso nyonso pour na bien-être ya Congo. 26 octobre 2022, que dire de la situation politique de la République démocratique du Congo? En tout cas, Ndeko Jonathan, nazana isengo na kati ya motema. OK. Na ibisaki yo na émission passée que tozali na tata mokonzi ya ekolo wazali mayele makasi. Changement oyo esalamaki na kati ya armée congolaise bato amonaki comme si ezali ba jeu. Na ibisaki yo que dans peu de jours, dans peu de temps, bromo na mbongwana. Voilà le loyo mbungwana ekoti. Donc tous un sentiment de joie et nous sommes très fiers de nos vaillants militaires au bazo continuer ko bunda pour être Congo ezala ya ba congolais. Oyo bazo ko continuer ko bunda pour que Congo ezala ya ba congolais. Est-ce qu'on peut espérer pas qu'on peut espérer quelque chose na ba attaque au phare de ces et lancer contre un mouvement du 23 mars, au Tobin Agaming M23, pour avoir une récupération totale à Bounagana, malgré tout, il faut récupérer le territoire et les pays à Bounagana. Est-ce que vous fragilisez les relations diplomatiques avec les pays voisins pour que
Vous comprenez? Mm-hmm. Alors, motoyo azo bundisa biso, c'est-à-dire azo monguna, alingi biso te. Et du coup, relation malamu pe rozala te pa monguna. Ya so yo kondi ma ozala na contact parfait na moto azo ki sa di botano passi. Tongo butu po kwa mosi na bana bazolela na kombo ya moto wana. Tina nini ya tipsia ya diplomatie na moto ya bongo. Biso to sali oyoyo ezali Otolobaka, toujours racine dans la constitution pour défendre l'intégrité territoriale. Et Pesameli n'a pas congolais, moto mon sous sauté, tant été que étranger, moto voyage pour défendre le territoire en Abissoté. Baye Mapinga n'a biso basu courage, y'a pour défendre le territoire en Abisso. Et tous ali coupou ça n'a malé, tout loin qui des gens de quoi, pour le bâtir que tous ceux qui a commandé beauté, tout ça, pas pessimiste. Parce qu'on vient de me signaler que l'homme d'entre vient d'être renforcé par le militaire rwandais pour nous traquer. Cela veut dire que ce n'est plus question de l'homme d'entre nous, mais ce qu'on va pour nous relaxer. Et nous sommes soutenir l'homme d'entre officiellement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis toujours que le Rwanda soutenait l'homme d'entre nous. Bazokokata, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, bah mécanisme nyon soba kozwa nyon soba ko préparer pour ba combattre Congo et ko simbate force nyon soba kozwa ezala Rwanda ezala pays nini mosusu akoya ko salier na bango pour ba bodisa biso ba kolonga te. Donc aujourd'hui l'armée congolaise a mosusu infiltrée parce que ba tako ko sala ezasuko ke koyeba ke Rwanda na ko sala boya ndo zo msa boya. Le fait déjà de démasquer que Rwanda Mozazalati n'a sima il y a M23 et cela qui déjà signale mon royaume casse. Et cela qui déjà signale mon royaume casse. Et deuxièmement, changement où les alliés qui accompagnent l'armée Nabiso, les alliés du Soussou, étape mon corps très capitale pour l'armée Nabiso et Congo. Et bien donc, en tout cas, ceux qui basali Bandongolomi soit on a besoin de continuer causal. Le problème est zaté. Malembe, mokunza ekolo n'a pas service et renseignement besoin identifier bango. Malembe trop continuer qu'au changer bango. Tite roko mana contrôle absolu à armée. Donc tous en akat il y a processus. Mais oh et salami déjà, nous osons croire que moi nambo ka Christian Simbi FARDC, azana bolingo ya Congo. Et à côté, nous sommes en jeu pour que paix écoute en Akatia Est. Au niveau de MRJ, beaucoup de monde a été moi, je suis Christian Sali contre M23. Ils ont dit quelque chose, on peut dire que c'est prématuré parce qu'il n'a pas encore le maîtrise totale de l'armée congolaise pour nous faire la bataille. Parce que ça peut nous ramener en quelque sorte des retombées négatives au niveau de l'armée. Parce que déjà au sein de l'armée, il y a des guerres entre eux, ils ne s'attendent pas très bien. Donc, tout le monde a lancé déjà guerre. Moi, je pense que ça passe au niveau de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que moi, Nambo Christian n'est pas un amateur.
C'est un homme formé, très bien formé alors. Kokomba naye na sommet à armée na biso, ils a blague et ils a masquité. Ils a ba sentiment, c'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé la situation. OK. La preuve en est que et ça dit même pas un mois. Tout à fait. Vous sentez prise à fonctionner, on change déjà qu'il y a il y a des changements au changement total et ben de corona. Bah, comme il y a pardon, on l'a dit déclaration dans Bango, bah, ça c'est un dialogue. Il y a le porte-parole Willy Ngoma, il y a 1-23, il a tweeté pour demander que l'armée congolaise devait dialoguer avec le M23 et surtout, il y a une baille politique à Congo, bah, c'est un dialogue. Wana. Tout ça, il y a un dialogue, il y a des temps où on a déjà les Kaki. Tout ça, focalisé à conquérir le territoire dans le Bayibaki. Et tu as commis déjà Pembe, tout ça, il y déjà. Congolais en a mis sur solo, azo comprendre que Bunaganda les a déjà récupéré. Recule au bon bas Seniwana, c'est la chaleur. Va sentir que monte zo ya maka, c'est zo supporté te. Va attaquer il y a 2, 3, 4 jours feu. Va au kokate, va moni que awa san papa, il faut zo ngasima. Alors probablement le rôle là bas faible te, va ça dit déclaration n'a pas luka négociation dialogue. Ce n'est plus le moment. Donc, on continue avec cette attaque. Si tu veux conquérir le territoire Wana Mobimba, tu zongisi makambo, tu zongisi administration, et tu continues dans l'île Wana pour que paix et régne dans Katia Est et la République démocratique du Congo. Pour continuer bien, tu continues dans l'île Wana pour que paix et régne dans Katia Est et la République démocratique du Congo. Et que dire de ces vaillants soldats au bas dans la France et surtout rémunération dans Bango, bien situation socio-économique dans Bango, ils allaient dans la manière mon corps raisonnable et bien dans la manière mon corps inacceptable. Et ça, moi, passé, on a toujours été tombé là et pas à le gouvernement. Mais quand la situation est allée, les soldats, les fous, les soldats. Moto a zone dit ma ko sacrifier vie naye pour na intérêt général. Nani na gouvernement wana ko ki kondima za mindu ki atende na est ko bunda avec tout le risque possible. Mais bana mibali wana bandimi ba sacrifier ba bota na bango pour na Congo. OK. Bandimi bango ba lata uniforme wana pour ba tombo la bendele ya école ba zo sa la fierté en mboka. Ba kanisa bango. Bakanisa bango li futa ezala malamu mabota na bango ezala malamu bana na bango batanga malamu bazwa ba soins de santé ya malamu yangonde ekomema mbongo wana na kati ya mboka tozo soutenir bango à 100% de près ou de loin biso na kati ya MRG ko surtout tozali na bango de cœur et to continuer toujours ko soutenir bango ndenge to salaka. Vous continuez toujours à soutenir Bango Salak avant qu'on puisse aborder ces questions de socio-économie de la République démocratique du Congo. Parlons d'abord MRJCO. Vous avez entamé, ou bien le président national de MRJCO, le maître Jean Mbaya Tita, il a entamé une tournée au sein de l'intérieur et à Mboka et à la République démocratique du Congo. Comment vous considérez cette, ou bien comment vous pouvez appeler cette tournée? C'est le pré-campagne, ou bien les manières qui sont en contact avec la base de Bino, ou bien la base de la ville province à Kinshasa? Merci beaucoup, camarade Jonathan. Mokonzi ya lingumba politique nabiso maître John Mbaya Tita. Oto bengaka aigle blanc. Mwana mobali a tondi na mayele mingi. Mwana mobali azana souci pour na mbongwana na kati ya mboka nabiso. Ye azwaki mokano ya ko kita sur terrain pour na ko redynamiser ba base. MRJCO est un parti politique qui est installé sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous avons un défi qui est allé, c'est un relevé. Nous avons un partenaire privilégié à Mokonzi Mboka. Ok. Partenaire privilégié. Voilà. Alors, nous avons soutenu Mokonzi Mboka et l'objectif est allé que Topé ait deuxième mandat. Vous êtes sans ignorer que le mandat pour le gouvernement de Mingi a secoué dès le début, dès l'entrée de jeu. Résultat, il y a une vision pour le Congo
et se réaliser par comme il fallait. Pour nanini, parce que les alaki na bateau et bandai kotia toujours ba coq à jambes. Ok. Alors biso to lobby trop c'est trop. Et sengeli na mokonzi na sima ya maponami ya 2023 azwa majorité absolue. Ok. Pour et permettre yé à mettre en place, à continuer vision ou yazali nango sur le peuple d'abord. Alors, comme Bisotozali, Bato Oyo Tozo accompagné Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, né Ozo Mona que président national na Biso Maître John Bayantita, Azali Kokitana ba province pour nous consoler la base. Pour conscientiser bango ko ebisa bango que bientôt tozo kende na maponami bola la tebo fungola miso étape ya liboso ezali enrôlement parce que enrôlement ne ko pesa biso image na bato oyoyo ba ko voter azo conscientiser peuple congolais et membres émergico en particulier que babanda déjà pour se préparer pour être dès que seni à lancer processus il y a campagne électorale enrôlement des électeurs va s'enrôler massivement pour être topé sa Mokonzi Mboka majoritaire pour que vous puissiez Mokonzi Mboka majoritaire vous comprenez que le niveau il y a un parti politique les membres Union Sacrée va bandit déjà va tourner avant 2023 vous comprenez que en 2023 opposition au Israël qui l'a mis majorité ils ont un Mokonzi parce que nous bandit Makambongo avant 2023 en tout cas bon il y a un discours ni bakoué bisa peuple nini message nini bakoumé mais la population parce que vous avez déjà commencé ça avant 2023 ça s'annonce que ça monte tout ça la campagne était okay. Nous sommes en train de réveiller la population il fallait tout attendre... ça la devoir au constitution et sendi na biso après de 3 ans constitution sendi na biso té ceux qui t'ont commis pembeni ya maponami il faut ba parti politique ba jouer rôle na bango rôle na biso ezali kaka ya tjalé loté. Okay. Rôle à parti politique, ils allaient co éduquer population. Bisous tous ceux éduquer population, on les sensibilisa, bas se préparer pour na mapona mesoya. Alors pour participer à ces élections, il faut commencer par vous enrôler. Okay. Raison pour laquelle Mokonzo tambo na ma province, pour na kola kisabango que Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Ma kanisaye ya malamu pour na mbongwana ya Congo ezali sur la table. Okay. A tiango à 100% et sengeli na biso to renouveler confiance. Et du coup pour renouveler cette confiance, renouveler le mandat de chef et sengi na biso to s'enrôler massivement pour être ma pona nezo ya to sanctionner ba nyonso. Bazana kati ya vision ya Mokonzi Mboka te. To sanctionner ba nyonso ou bazo comprendre ceci à émerger côté. Parce que je vous rappelle, vous êtes sans ignorer que MR Juko, c'est un parti politique qui est axé sur le social. Nous cherchons le bien-être, nous prenons le bien-être de la population. Nous voulons assez que Congolais n'a malam. Congolais n'y a malam. Congolais tanga malam. Congolais sala moussala. Ba fouta Congolais proportionnellement à moussala à zoussala. C'est ça le combat du MR Juko. Vous comprenez? Alors, tous en a posé à topé sa population pouvoir. Peuple, il fasse un pouvoir. Il y a un Ebisaki l'autre fois que nous aurons un projet de loi après 2023. Où il y a un justement peuple pouvoir. Et nous sommes en train de travailler, conscientiser la population pour que Nyon Soana et les Kamalam. Nous sommes en train de travailler pour conscientiser la population pour que Nyon Soana et les Kamalam. Parce que nous avons l'impression que l'émergique travaille beaucoup plus sur l'intérieur du pays que la capitale. Parce que ce qui est l'implantation, bien réalisation, c'est une partie pour bannir au plus l'intérieur. Donc vous avez beaucoup plus la confiance à votre intérieur que la capitale. Vous voyez que ah ils ont grandi pour le beaucoup bimater. Donc Jonathan, ça peut-être en retard. Ça je dois vous le dire. Laissez-moi vous dire que ou vous rappelez peut-être vous ne le connaissez mais vous ignorez. Le maire Juko c'est un parti politique le mieux organisé du Kinshasa. Ok. Nous sommes valablement implanté sur tout le district. Ok. Vous comprenez? Et dans le cas de district, tous les animateurs, tous les présidents de la district, au cours de la district, il manque 2, 3, 4 animateurs. Ok. Chose qui n'est pas le cas chez d'autres. Ok.
na kati ya ba commune MRJ ko eza valablement représenté et toza na ba alimentaire ya ba commune o to kuta na na commune moko 2 3 4 5 6 présidents communaux. Okay. Chose qui ne se fait pas chez les d'autres partis politiques. Nous sommes présents dans des quartiers. Nous avons des animateurs dans les différents quartiers de Kinshasa. Dans les avenues, MRJ est représenté. C'est l'île de base. Nous sommes là. Nous sommes en train de travailler. Nous avons des sièges à Kinshasa. Nous avons un siège provincial qui est visible sur Sendwe. Okay. Numéro 1. Si vous passez sur scène, vous verrez, l'affiche est là. Nous avons un siège national au niveau de l'unité, 9e rue. Nous avons des sièges de structure dans les différents districts. Laissez-moi vous dire que MRJ Ko est vraiment, vraiment alors à la tête. Tout ça, la rendez-vous politique, il y a ma complaisance, c'était okay. Nous sommes en train de travailler. Mais du super, Bromo n'a frappe, il y a MRJ Ko sur le terrain. D'ici peu, Bogomona frappe, il y a MRJ Ko. Là, ce sont des propos, vient de dire, du secrétaire général du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJ Ko, Patrick Okoutchou. Ou alors, le but est, Nathan Mouké, Aaron Mouké, Bogomona frappe, il y a parti cher, il y a maître John Bayadita. Tout justement, Bordon, ou bien parler de la question de socio-économique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quand vous regardez Kinshasa, c'est quoi le reflet de Kinshasa pour vous? C'est une situation très compliquée. Okay. Très compliquée. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça nous donne une image d'une ville qui n'est pas gérée. Pourtant, nous avons quand même un monsieur qui au début, avait de bonnes ambitions pour le changement de Kinshasa. Son excellent monsieur le gouverneur de la ville. Mais nous ne comprenons pas jusque-là pourquoi est-ce que Kinshasa continue à demeurer dans cet état. Nous sortons. Pas si. Mboulaïbi Takilobi Awa. Mais il faut le monde comment est-ce que Kinshasa est allé. La canalisation est allée. Batobazo Nangé na Katia Kinshasa na Maï. Ça, ça ne nous honore pas. Ça ne va pas du tout. Trouver de la mêla dans le gouvernement provincial. Est-ce que le problème de Kinshasa, est-ce que c'est toujours au niveau du gouvernement provincial ou bien le gouvernement national peut regarder ce problème? C'est parce que c'est un miroir, il y a République démocratique du Congo. Vous le savez, le pouvoir est décentralisé. Tout à fait. Le pouvoir est décentralisé et la province est gérée par un gouverneur. Tout à fait. Mais le gouvernement central. On le voit souvent quand le gouvernement est à faire quelque chose. Mais papa, tu as dit acte belé à générateur de recettes. Dans la carte de ville à Kinshasa, on est en train de faire. On est en train de faire. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu. Il faut se poser cette question. Gouvernement, gouvernement central, a s'occuper de Kinshasa, de la province, sinon. Tout à fait. Vous comprenez? Le problème, c'est la gestion de la province. Est-ce que Kinshasa est géré? Je dirais en moitié, oui. En moitié, je dirais oui. Mais pas vraiment. Pas vraiment. Parce que si réellement Kinshasa est géré comme il faut, on va remarquer un changement positif. Mais rien ne va. Il n'y a pas de signaux qui montrent que Kinshasa est vraiment la belle que nous avons connue. Kinshasa n'est plus la belle. Donc, par là, j'appelle à la conscience, en tout cas, du gouvernement provincial, de chercher à changer peut-être de stratégie. La situation qui emballe Kinshasa aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes politiques ou bien il y a des conflits internes. Parce que la journée d'hier, il y a eu l'accident de circulation entre le commandant de la ville province de Kinshasa et le vice-gouverneur de Kinshasa. Et donc, comment on peut expliquer tout ça? Il y a un problème politique ou bien les alikaka qui manquent à vous donner tout le bagarre. Il y a une politique basée sur le service pour vous avec Kinshasa. Monsieur le journaliste Jonathan, il y a une chose que nous devons vraiment. On va faire une différence en fait. Lorsque vous êtes appelé à assumer les fonctions de l'État, oublions nos casquettes politiques. Tout à fait. On n'est plus politique.
Là, vous êtes au service de la nation. Vous êtes au service du peuple. Du coup, la population ou la politique, disons, ne peut pas s'en gérer, ne peut pas s'interférer dans la gestion de la chose publique. Donc, Togo Sanaïlo Kouana, que Banomengaï, il faut répondre d'abord à ma besoin. Il y a la politique. Non, vous ne travaillez plus en ce moment-là pour le compte de votre chef. Vous comprenez? C'est ce qui tue le Congo. C'est ce qui tue le Congo. Nous mettons de côté la compétence. On vous nomme aujourd'hui. Au lieu de travailler avec des hommes et des femmes intelligents, intègres, vous préférez prendre vos animateurs, vous pouvez prendre vos militants. Une façon de les récompenser, voilà, les gâteaux est là, comme vous avez l'habitude de le dire, de l'appeler. Venez, on va maintenant manger, c'est notre tour, c'est comme ça. Et cette histoire bloque le développement du Congo. Ça, c'est une situation qu'on doit combattre. C'est pourquoi, toujours, que ma parti politique, ma joue ma rôle, et ça, ma côté. Un parti politique, ils allaient pépinier. Il y a formation pour la gestionnaire et à l'autre. Parti politique, ils ont pour former, pour gouverner, pour lobby. Alors, ceux qui tous au monde ont dérapage, vous comprendrez avec moi que le parti politique ne joue plus leur rôle. C'est pourquoi je vous demande, peuple congolais, réveillez-vous. Venez adhérents au sein du Yamarjuko où les valeurs sont prônées. Nous sommes en train de travailler, préparer l'élite, préparer le futur gérant de demain. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre fois. Il n'y a pas deux partis politiques au Congo. Il n'y a que la Merjuko. Il n'y a pas deux partis politiques au Congo. Il n'y a que la Merjuko. D'après toujours le secrétaire général Patrick Okoutchou, nous entamons presque à la fin de notre émission. Et le militant, ou bien vous êtes scotché en ce moment à travers notre chaîne Congo Live Télévision, plus de 125 000 abonnés qui vous suivent en ce moment. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent retenir de la Merjuko? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent retenir des phares de ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce que ces gens-là peuvent retenir de dirigeants qui dirigent la ville-province de Kinshasa? Voilà, en un mot, j'invite la population congolaise à rejoindre cette formation politique qui est le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Emergico, qui est dirigé par Maître John Bayantita. Emergico, comme je venais de le dire, c'est un parti des valeurs. Nous allons vous accompagner, nous allons vous former pour que demain vous soyez utile, pour que demain vous soyez en mesure de former ou de servir l'État congolais comme il se doit. Donc, n'hésitez pas, vous qui avez des ambitions politiques, de venir nous rejoindre parce qu'on a besoin des hommes et des femmes qui réfléchissent et qui ont un sens élevé du patriotisme. Aux vaillants soldats qui sont à l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Le Congo vous appartient, le Congo nous appartient. Oui, avec tout le risque possible, vous êtes en train de défendre l'intégrité territoriale. Continuez, Dieu va vous accompagner. Dieu va vous protéger. Enfin, nous essayons d'interpeller notre gouvernement de penser à ces vaillants soldats qui aujourd'hui sont en train de se sacrifier pour l'intérêt du Congo. Pensez à ce brave, pensez à ce militant, pensez à ces soldats d'élite qui sont au front, qui sacrifient leur vie. Merci beaucoup, camarade Jonathan, pour cette invitation. Nous osons croire que du super, nous allons encore une fois nous rencontrer pour échanger, réfléchir, analyser la situation sociopolitique de notre pays. Et par là, je remercie et je salue tout membre du Amergico, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Et sans oublier notre coach, notre aigle blanc, le mentor, Maître John Mbayantita, mes salutations. Là, ce sont les derniers mots du secrétaire général du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Emergico, ainsi que Patrick Okoutchou. C'est grâce à lui ou bien c'est avec lui
les toujours qui opportunité libaku le combat ma solo est concerné actualité politique et la République démocratique du Congo. Nous avons parlé, nous avons hier discuté de la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo, de la socio-économie de la République démocratique du Congo, mais aussi de Mokondi à partir d'un bon mois à un niveau intérieur en Boka. Je cite ici le maître John Bayatita qui est le président national de l'Emergico. Peu importe nos divergences, on est tous congolais. Qu'on se les dise. Au revoir.